Alors, pour ce midi, je vous présente un poulet. Voilà, un poulet fumé. Voilà. Un poulet fumé que je suis en train de couper dans mon Flavor Chef. Et je vais le préparer avec une sauce tomate. Et bon, le travail, vous verrez tout de suite. Mais là, déjà, c'est un poulet que j'ai préparé à l'avance. Et là, je vais couper pour pouvoir les déguster. Voilà, je vous présente déjà. Voilà. Elle est bien assaisonnée, surtout bien pimentée. Voilà. Voilà. Je les sépare en plusieurs morceaux. Voilà. Là, c'est l'aile. Le couper avec l'aile du couteau. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a prévu de manger ce midi. Voilà. Voilà, là je vous présente des cuisses de poulet que j'ai mis à mijoter. En plus de ça, là j'ai préalablement, comment dire ça, assaisonné et je l'ai mis à mijoter. C'est un plat qui permet de bien mijoter et laisser travailler la viande pendant que je passe à autre chose. Là-dedans, j'ai mis des petits os, j'ai mis une jeune aubergine, quelques carottes, des poivrons, et je l'ai assaisonné avec un peu de moutarde à l'ancienne et des épices fait maison. Et je vais le laisser préalablement mijoter. Voilà. Voilà. Bon, il est pas encore tout à fait chaud, alors je peux me permettre de le pencher, de le maintenir parce que je viens de lancer la cuisson en fait. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, la sauce est une très belle couleur, hein? Voilà. Et ça, c'est des cuisses de poulet qui sera mijotée pour être accompagnée avec un riz créole maison que je vous présenterai tout à l'heure. C'est la préparation du jour avec le poulet que je vous ai montré de l'autre côté dans mon Flavor Chef. Voilà l'étape de la cuisine d'aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez voir, la finition, elle arrive à son terme puisque là, ça mijote un petit peu. Là, les tomates sont coupées en petits dés. Là, j'ai ajouté un peu de bouillon de cube. Voilà. C'est parfait. Voilà, ma préparation. Voilà, je vous présente mon riz mélangé. Comme vous pouvez constater, j'ai mis des saucisses de Strasbourg, j'ai mis des petits pois, j'ai mis des carottes. Et c'est pour pouvoir casser un peu la routine, hein, et faire un autre riz différent de ce que je fais habituellement avec des haricots rouges, des haricots noirs. Là, c'est un mélange d'assemblage de légumes. Mélangé dans mon riz, qui sera accompagné d'un bon poulet fumé, bien assaisonné et relevé. Voilà l'étape, la dernière étape, la dernière ligne droite. Mon riz, il est cuit, bien et belle cuit. Regardez-moi le travail. Il y a encore la fumée, il y a encore les flammes sur le feu. Voilà. La preuve que l'étape est terminée. Avec vous, j'éteins le feu, je ferme mon gaz. Mon riz, il est cuit. Toute la journée, j'ai passé dans la cuisine. Et ensuite, là, ma sauce qui est en train de mijoter, je vais prendre l'intérieur. Voilà. L'intérieur du poulet, voilà.
Voilà, ça c'est une sauce mijotée. Voilà, c'est une grande préparation du jour. Voilà ma sauce mijotée, comme vous pouvez voir, avec ses carottes, poivrons, voilà. Bon appétit à tous.